prends ta tétine et tu te tais, s'il te plaît. Hello les colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul, notamment un haul capillaire. Je me suis acheté quelques produits pour mes cheveux, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous les présenter. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule. J'ai Noah qui m'empêche de filmer. Bah oui, il a la bouche. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'attends plus, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge qui est tout en bas à s'abonner. Tu actives également la cloche de notification pour être tenu informé de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne au fait. Alors, le premier article que je vais vous présenter, c'est un vaporisateur que j'ai pris sur Amazon. Bien sûr, je vous ferai un close-up parce qu'avec Noah dans les bras, c'est pas évident pour moi. J'ai décidé de prendre un vaporisateur parce que les vaporisateurs classiques que j'ai ne durent vraiment pas avec moi. J'ai tout le temps le ressort qui me lâche. Je dois être à mon cinquième vaporisateur. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je vais mettre un peu plus cher dans un vaporisateur en espérant que ça dure. Donc celui-là, c'est le vaporisateur de la marque Fimi Spray Bottle que j'ai eu sur Amazon. Il était en promo à 11,99€. Ce qui m'a poussé à le prendre, c'est surtout les arguments de la marque qui disait que ce vaporisateur a une durée de vie deux fois plus longue que le vaporisateur classique. En termes de design, je trouve ça pas mal au niveau de l'appui avec la main. On est super à l'aise au fait. Et en termes de poids, c'est super léger. Le système de ressort, on le voit pas au fait à l'intérieur. Je vais le tester et puis ben, je verrai si ça dure vraiment comme ils l'ont dit. En tout cas, si vous avez déjà testé ce genre de spray, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre expérience. Donc, deuxième article que je vais vous présenter, je l'ai également pris sur Amazon. C'est une brosse pour shampoing. Donc, pour le cuir chevelu, l'un des inconvénients lorsqu'on a vraiment une chevelure plutôt importante, donc est assez dense, c'est qu'on a accès difficilement au cuir chevelu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas acheter une brosse pour m'aider à atteindre plus facilement le cuir chevelu. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette brosse pour shampoing. Elle m'a coûté 11,99€ sur Amazon. Les picots sont en silicone. Ça ne fait pas du tout mal au cuir chevelu. Je vous ai filmé un wash day routine que je n'ai pas encore mis en ligne. Je l'ai testé dans ma vidéo et c'est vraiment doux sur le cuir chevelu. Ce n'est pas du tout agressif. Le seul inconvénient que j'ai, c'est la tenue en main au fait, par rapport à ce petit truc qu'il y a au-dessus. Au niveau des doigts, lorsque je faisais mon shampoing, ça n'arrêtait pas de me glisser des mains au fait. Sinon, pour l'avoir utilisé, j'ai vraiment apprécié, ça me massait au fait le cuir chevelu, donc c'était vraiment intéressant. Sur le paquet, ils ont précisé que la brosse aide à enlever tout ce qui est pellicule, empêche la chute de cheveux, masse également le cuir chevelu. Troisième produit que je vais vous présenter, c'est une gamme de produits capillaires que j'ai acheté. J'ai décidé de changer mes produits, pas parce que je suis déçue de She Moisture, c'est juste que ça fait 5 ans que j'utilise les produits She Moisture et que je n'avais jamais testé d'autres produits. Donc je me suis dit, il faut quand même que je teste pour voir ce que d'autres produits ou d'autres marques ont à m'offrir, quitte à revenir à mon premier amour, c'est pas grave. J'ai jeté mon dévolu sur la marque Crazy Pouce de chez Afro Naturel. J'ai acheté les produits, du moins la gamme, sur Instagram avec la boutique K Cosmetics, qui est une boutique physique à Paris mais qui propose des services sur internet. J'ai passé ma commande par message et j'ai payé par PayPal et en 2 jours j'avais ma commande dans ma boîte aux lettres. C'était super rapide. Pour les Nantaises, vous pouvez acheter à Brooklyn Shop parce que j'ai découvert la semaine dernière, il me semble, qu'ils ont également cette marque. Je ne savais pas du tout qu'ils l'avaient, mais si vous êtes à Nantes, vous pouvez trouver cette gamme à Brooklyn Shop. Je me rappelle plus du prix de chaque produit, mais je sais que j'ai payé en tout 39€, frais de port compris. Donc j'ai pris le lait capillaire réparateur extrême hydratation intense qui stimule la croissance du cheveu. Également le shampoing à la menthe poivrée, et franchement le shampoing c'est une tuerie. Lorsqu'on met sur le cuir chevelu, on a une sensation de fraîcheur. Ensuite, j'ai pris le soin profond assouplissant après shampoing dite moelle de bœuf. Et j'ai également pris de l'huile de ricin. Donc j'ai passé commande sur la compagnie d'essence. J'ai acheté mon huile de ricin. Habituellement, je prenais l'huile de ricin en 50 ml, donc ça ne me dirait pas du tout vu le volume de cheveux que j'ai, et j'utilise également l'huile de ricin pour Naomi. Donc cette fois-ci, je l'ai pris en 250 ml et ça m'a coûté 7,90€. Ensuite, j'ai pris une huile de jojoba
C'est vraiment le combo gagnant pour moi. Je prends l'huile de ricin, l'huile de jojoba et de temps en temps, je peux rajouter différentes huiles. Donc l'huile de jojoba, par contre, je l'ai pris en 100 ml parce que j'utilise plus l'huile de ricin. Les 100 ml me faisaient 8,40 €. J'ai également pris l'huile d'avocat, mais je l'ai pris en 50 ml, donc une toute petite bouteille comme ça, parce que l'huile d'avocat, je l'utilise vraiment pour des soins précis. Je ne l'utilise pas dans mon quotidien et ça m'a coûté 4,45 €. Donc le dernier article que je vais vous montrer, c'est une huile essentielle romarin à cinéol que j'ai également acheté sur la compagnie d'essence qui m'a coûté 2,45 €. C'est vrai que je me méfie un peu des huiles essentielles parce que elles sont bien, mais si elles sont très mal utilisées, elles peuvent être dangereuses au fait pour la santé, raison pour laquelle je craignais vraiment de me lancer là-dedans. Mais sur le site la compagnie d'essence, ils ont pas mal de thématiques, ils ont pas mal de recettes. Donc voilà mes colorés, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment un petit haul capillaire que je voulais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà les différents produits que je vous ai présentés, si vous avez déjà testé, qu'est-ce que vous avez, quelle a été votre expérience. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous connaissez déjà la chanson, abonnez-vous. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Activez la cloche de notification pour être tenu informé de toutes nouvelles vidéos que je mets en ligne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, c'est De la couleur dans nos vies. Sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.